petit récapitulatif géographique ici à bord d'Initiative Cœur avec la carte globale du parcours de ce Vendée Globe 2012. Donc nous avons passé l'équateur il n'y a pas longtemps. Donc là on voit le port de départ des Sables-d'Olonne en Europe, France. On a longé les côtes de l'Afrique, on a passé les îles du Cap-Vert. Et là, il y a quelques jours, après avoir traversé le poteau noir, cette zone géographique, météorologique très indécise et très spectaculaire, on a traversé l'équateur il y a 36 heures de ça. Et maintenant, on se retrouve le long des côtes brésiliennes, un peu bas, avant d'aller vers Cap de Bonne-Espérance. Donc, la petite comète jaune du rouge du jour, elle se trouve ici. Voilà. Et dans quelques jours, je vais dépasser la latitude la plus sud à laquelle j'ai jamais été à la voile. C'était lors de la mini transat Salvador de Bahia au Brésil. Donc on se retrouve en 10e position à bord d'Initiative Cœur avant d'aborder donc la fin de cet Atlantique Sud, le cap de Bonne-Espérance qui sera le premier cap à passer. Et ensuite, on aura un mois de navigation dans les mers du Sud pour faire le tour de l'Antarctique et le Cap Horn, la fin des mers du Sud, et ensuite il y aura toute la remontée de l'Atlantique. On a le temps de se revoir avant ça. Allez, bah soyez sages et faites bien vos devoirs pour la semaine prochaine.